Je vais vous emmener ici aujourd'hui pour au moins deux raisons. D'abord parce que le site est magnifique, comme vous voyez, il s'ouvre sur cette immensité de mer, d'où déferlèrent, à partir du début du 9e siècle, les Vikings, ancêtres de ceux qu'on devait appeler plus tard les Normands, Northmen, les hommes du Nord. Le sac va être amené ici, et le ressac, 250 ans plus tard, les ramena vers l'autre côte. Et c'est ça la seconde raison, c'est que nous avons en face de nous, visible, par beau temps, l'Angleterre, ce royaume prestigieux qui fut convoité dès le début du 11e siècle par Guillaume le Conquérant, lequel réalisa son rêve d'aller en 1066 conquérir l'Angleterre. Mais qui étaient donc ces Vikings ? Mais pour le comprendre, il faut remonter un peu dans le temps, c'est-à-dire au début du 5e siècle. C'est l'époque à laquelle Honorius, le représentant de Rome, s'en va, car il est impuissant à faire face aux périls redoutables qui menacent les Celtes habitants de cette île. Et donc, ils abandonnent à eux-mêmes et ce sont eux qui vont affronter les envahisseurs germaniques. Dès le début du 5e siècle, des peuples germains jusqu'ici installés sur les rives de la Baltique et de la mer du Nord entreprennent la conquête des îles britanniques. Ces redoutables guerriers nomades, originaires de Suède, de Norvège et du Danemark, pillent les villes côtières de la Manche et de l'océan Atlantique. Ils remontent parfois les fleuves. Ils font leur première apparition en baie de Seine près de 4 siècles plus tard. Paris est brûlé pour la troisième fois en 861. En 910, le grand chef guerrier danois, Rolf, dit Rollon, attaque Paris, mais il est vaincu. Charles le Simple, roi des Francs, croit le moment venu pour traiter avec les Vikings. Il rencontre Rollon à Saint-Clair, sur la rive gauche de l'Epte. L'archevêque de Rouen est chargé de mener la négociation. En gage de paix, il lui offre tout d'abord la fille de Charles, puis il lui propose de devenir le premier duc de Normandie. C'est alors que se déroule le fameux intermède burlesque. Rollon, refusant de se pencher pour baiser le pied du roi, le tire à lui et le roi bascule dans la rivière. Heureusement, l'affaire se termine bien et Rollon accepte de se faire baptiser ainsi que ses compagnons. Le nouveau duc de Normandie promet alors de ne plus ravager le royaume. Et il tiendra parole. Le baptême de Rollon par l'évêque de Rouen est le signal de la christianisation de l'ensemble des Vikings qui vont, en se christianisant du même coup, se sédentariser, bien sûr, et adopter toute une autre culture, la culture donc de cette Normandie qu'ils reçoivent comme leur territoire. Par ailleurs, il faut bien voir qu'ils vont devenir, mieux encore que d'être simplement des christianisés, ils vont devenir des héros et des champions de la chrétienté. Et quelle langue parlaient ces hommes venus du Nord ? Eh bien, ils parlaient une langue scandinave, un des dialectes du vieux norrois, donc une langue germanique comme le saxon, rattaché à l'indo-européen, et une langue donc apparenté à l'allemand aujourd'hui. Et on trouve encore des traces de cette langue aujourd'hui ? Oui, on en trouve beaucoup dans la toponymie. Nous avons un grand nombre de villes, de villages de Normandie qui sont d'origine très clairement de vieux norrois ou de vieux saxons, souvent ça coïncide. Ainsi, il y a des exemples dans le pays de Caux, on trouve une agglomération qui s'appelle Torp-en-Caux, une autre Torp-Ménil. Les deux viennent de Torp, qui est un mot très clairement de vieux norrois, qui veut dire village et ville, exactement comme aujourd'hui encore Dorf, das Dorf en allemand. Ensuite, ça devient, par une série d'évolutions, Tropt. Et ce Tropt devient Tot et To. Et c'est ce qu'on trouve dans Yvetot, encore un autre village normand bien connu, une ville normande. On a encore d'autres mots. Le mot Gat, par exemple, qui apparaît comme partie finale de Hulgat, signifie une petite ruelle ou un passage ou un chemin, comme en allemand aujourd'hui encore dit Gasse, petite ruelle, pour ancien alsacien. Et la première partie de ce mot Hulgat, une plage normande bien connue, c'est Hul, qui est le même mot que l'anglais Hul, l'anglais est aussi une langue germanique. Donc vous voyez, il y a un assez grand nombre de traces toponymiques intéressantes de cette imprégnation
noroise, scandinave, de la Normandie. Et puis il y a aussi le vocabulaire lui-même, en général le vocabulaire de la marine. Là, nous avons un grand nombre de mots passés en français, encore aujourd'hui utilisés, qui sont clairement d'origine noroise. Ainsi une, ainsi cinglé, des mots de marin. Ainsi encore une vague, ou encore un auban. Voilà, toute une série de mots, aussi bien de la toponymie que des mots de vocabulaire commun de la marine, qui sont des traces importantes de la langue que parlaient les Vikings. Au cours du siècle suivant, Guillaume Longuepée, Richard Sempere, Richard le Bon, puis Richard III, les descendants de Roland, qui vont se succéder sur le trône du royaume de Normandie, se révèlent peu dociles vis-à-vis de leur suzerain, le roi de France. Mais à partir de Robert le Diable, c'est une politique d'alliance capétienne qui prévaut et qui accroît encore l'intégration culturelle et linguistique de la Normandie dans le royaume de France. En 1027, Robert, celui qu'on appellera plus tard Robert le Diable, a 18 ans, il succède à son père Richard II et devient par conséquent duc de Normandie. Où vivait-il? Eh bien, ici où nous sommes, à Falaise, dans ce beau château du XIe siècle, avec son donjon carré et son enceinte flanquée de 16 tours. Les faits que je vais raconter maintenant sont dans une large mesure légendaires. On peut supposer que c'est au bord d'un lavoir semblable à celui-ci que Robert le Diable, rentrant de chasse, rencontra une très jolie jeune Normande qui s'appelait Arlette, et qui est fille d'un riche possier, un tanneur, qui était aussi brasseur, et on disait précisément riche comme un brasseur, un pelletier et brasseur. Et peu de temps après cette rencontre, Robert le Diable la mande dans son château. Elle se fait accompagner par ses amis, ses compagnes, et elle y va paraître ses plus beaux atours. Et de cette rencontre, cette union, va naître un peu plus tard, en 1028, Guillaume, celui-là même dont nous parlons aujourd'hui. Le traité de Saint-Clair-sur-Epte en 911 a une grande importance pour nous puisque c'est à partir de ce moment-là que les Vikings vont cesser de faire des razzias sur les côtes où ils arrivent et vont se sédentariser. Ils ne sont par conséquent plus des nomades et ils se francisent du même coup, ils deviennent des gens civilisés, entre gros guillemets, et plus important encore, la suite de ce traité, c'est qu'ils vont, en se sédentarisant, adopter la culture et la langue française. Enfin, quand je dis française, il s'agit de quoi plus précisément? Il s'agit de la variante locale normande, le dialecte normand, de cette langue romane, néo-latine, qui était en train de se construire et dont nous avons vu les tout premiers balbutiements lors du fameux épisode des serments de Strasbourg. Ils adoptent, par mariage, les femmes du cru, ils épousent les belles normandes. Et les enfants de ces belles normandes et des descendants des pirates vikings se franciseront eux-mêmes. Nous avons donc affaire ici à un intéressant phénomène de naissance d'une civilisation. En d'autres termes, le Picard, le Francilien, le Champenois, les autres dialectes voisins du nord de la France sont ceux qui, comme le Normand, qui en est un, qui est un d'entre eux, vont constituer les différentes versions de ce qui sera un jour le français. Alors par la suite, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ce sont ces mêmes descendants des vikings, envahisseurs, ces pirates normands hirsutes, qui vont devenir les principaux vecteurs, les principaux messagers de la langue française, grâce à cet épisode extraordinaire que nous voyons aujourd'hui, qui est la conquête de l'Angleterre par Guillaume. Pourquoi Guillaume était-il appelé le conquérant? En fait, les personnages historiques n'ont pas obligatoirement le même nom selon les peuples qui les désignent. De ce côté-ci de la Manche, nous l'appelons Guillaume le Conquérant parce qu'il partit tout simplement en 1066 conquérir l'Angleterre. On verra en fait plus tard que ce n'était pas tant une conquête car il allait s'assurer la possession d'un territoire qui lui avait été promis. Mais enfin, on l'appelle Guillaume le Conquérant de ce côté-ci. Tandis que de l'autre côté de la Manche, du côté anglais, on n'a aucune raison de l'appeler d'un titre aussi prestigieux et on l'appelle d'une façon fidèle à la réalité historique et même péjorative, à savoir William the Bastard, c'est-à-dire Guillaume le Bâtard, puisqu'il était, comme on sait, un bâtard de Robert le Diable. Robert le Diable n'a pas un passé d'enfant de cœur. On lui reproche, à tort ou à raison, d'avoir empoisonné son frère, le duc Richard III. Mais subitement, après avoir rencontré Arlette et avoir eu son fils Guillaume, sa conduite change radicalement. Il restitue les terres spoliées, fonde des abbayes. En 1033, Robert le Diable décide d'entreprendre un pèlerinage au lieu saint. Afin de régler tous les problèmes du gouvernement du duché, il réunit sa cour à Fécamp au début de 1035 et annonce son départ. Comme les seigneurs normands lui font part de leur crainte de voir le duché sans héritier, il décide de reconnaître Guillaume et le désigne comme unique successeur. Tous acceptent,
et jure fidélité à l'enfant qui n'a encore que 7 ans. Pourtant, les débuts sont difficiles. En effet, durant toute l'enfance et l'adolescence de Guillaume, les barons qui le méprisent et ignorent son autorité ne cessent de fomenter des soulèvements contre lui. Finalement, le jeune duc et ses conseillers parviennent en 1047 à écraser cette révolte près de Caen avec l'assistance du suzerain, c'est-à-dire du roi de France, Henri Ier. Ier de Normandie, ayant remarqué ce piton rocheux, qui est une position stratégique intéressante, décide d'y installer sa demeure et fait donc construire ce beau château que nous avons en face de nous. Et du même coup, il fait de Caen sa capitale. Mais que se passait-il au même moment de l'autre côté de la Manche? Eh bien, de l'autre côté de la Manche, la domination romaine, qui avait duré tout de même 3 siècles et demi, avait fortement romanisé les Celtes, mais les Romains s'en vont vers 410. Les Celtes doivent faire face au déferlement d'envahisseurs redoutables. Les Celtes opposent à ces envahisseurs germaniques une résistance farouche, mais ils sont finalement refoulés au nord et à l'ouest du pays, quelques-uns même allant jusqu'aux côtes de France se réfugier. Durant les siècles qui suivent, il y aura évidemment une imprégnation très profonde entre ces tribus germaniques et les Celtes, habitants autochtones donc de la Grande Angleterre, mais les langues que parlent les Celtes, à savoir le goïdélique, le gaélique et le britonnique, vont être refoulées de plus en plus à l'ouest et au nord du pays. Si bien que les langues de base, ce sont celles des Jutes anglo-saxons qui constituent la base même de l'anglais. Alors, en 1042, à la mort du dernier roi d'une dynastie danoise, la reine mère, qui était une Normande, fait venir son fils Édouard de Normandie, où ce dernier avait passé une bonne partie de son enfance. Édouard connaissait bien Guillaume, celui qu'on appelle le conquérant, parce que tous les deux, l'un avait épousé une parente de l'autre, d'une part, et surtout, Guillaume avait reçu cette sorte d'engagement d'Édouard que, à la mort d'Édouard, le trône d'Angleterre reviendrait à Guillaume. Tout se complique lorsque, en 1051, Édouard confie précisément à ce même Harold cette mission intéressante et redoutable d'aller annoncer à Guillaume en Normandie qu'Édouard laisse à Guillaume le trône d'Angleterre. C'est ici que commence le récit dont notre épisode est au centre, à savoir la conquête de l'Angleterre par Guillaume, qui sera appelé le conquérant, cette conquête étant racontée par cette première bande dessinée de l'histoire qu'est la célèbre tapisserie de Bayeux. ...1064, le roi Édouard envoie à Guillaume un messager, le grand seigneur Harold, comte de Wessex. Lorsqu'il arrive en Normandie, le comte Harold jure fidélité au duc Guillaume. Il s'engage par serment à lui remettre le royaume d'Angleterre à la mort d'Édouard. De retour en Angleterre, il rend compte de sa mission au roi Édouard. Mais le 5 janvier 1066, le vieux roi Édouard meurt. Ses funérailles solennelles ont lieu le 6 janvier dans la cathédrale de Westminster. Le jour même, Harold se fait couronner roi. Des espions normands partent informer le duc Guillaume. Ils parviennent en Normandie à la mi-janvier. Sitôt avisé, Guillaume réunit son conseil. Il impose son avis. Harold a violé son serment. Il est parjure. Ce sera la guerre. Odon de Cotteville, son demi-frère, évêque de Bayeux, transmet l'ordre de construire une flotte pour débarquer en Angleterre et attaquer Harold. Les bûcherons abattent les arbres. Les charpentiers de marine taillent les planches et les assemblent. Les navires terminés sont mis à flot. On embarque le matériel de combat, puis les cavaliers et les chevaux. Il a fallu 6 mois pour créer cette armada. La flotte est composée d'une 100aine d'unités. Le 28 septembre, on lève l'ancre, les voiles se gonflent. Au sommet du vaisseau de Guillaume, l'étendard de Saint-Pierre, envoyé par le pape, donne à l'expédition un caractère religieux. Le 29 au matin, fête de la Saint-Michel, les navires accostent sur la côte anglaise à Pevensey. Les chevaux descendent, les embarcations sont tirées sur la grève. Guillaume développe sa stratégie auprès de ses 2 demi-frères. L'enjeu de la bataille est la mort d'Harold ou celle de Guillaume. La rencontre a lieu à Hastings le 14 octobre. Chacune des 2 armées est forte de 8000 hommes environ. Chez les Normands, des chevaliers forment un corps d'élite. On envoie les archers en première ligne.
Guillaume choisit le mouvement, une succession de charges massives de cavalerie. Du côté anglais, ce sont tous des fantassins qui combattent avec la grande hache danoise. Une rumeur se propage, Guillaume est mort. Le duc se fait reconnaître des siens, il lève son casque. Nouvel assaut, les archers lancent une pluie de flèches. Le dénouement ne tarde plus. Harold est mortellement blessé. Ayant perdu leur chef, les Saxons prennent la fuite. La grande bataille a duré 10 heures. Le duc normand est vainqueur. Guillaume est couronné roi d'Angleterre le 25 décembre 1066 à Westminster. Dès lors s'ouvre un nouveau destin pour le royaume d'Angleterre, la très longue période de domination normande. Guillaume meurt en 1087. Il est enterré dans l'église Saint-Étienne de Caen. Consacré par Guillaume, au lendemain de son couronnement, l'abbaye de Jumièges est le plus éclatant témoignage de la monarchie normande. Quelle était cette langue néo-latine que les Normands introduisirent en Angleterre? C'est ce qu'on appelle l'anglo-normand, c'est-à-dire la forme que prit le normand, mêlée d'un peu de picard, qui avait été introduit par la conquête de Guillaume en Angleterre. Cependant, il a ensuite reçu un important apport angevin, du fait qu'une partie de la population, de marchands notamment, importante, est arrivée d'Anjou en Angleterre. Mais après, le caractère déjà assez composite de cette langue a été encore accentué par le fait qu'il y avait un effort, souvent conscient, d'utiliser les formes littéraires du français qui est en train de se former sur le continent, en France. Et tout le monde parlait cette langue? Ah, pas du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette langue n'était pas connue de la masse de la population qui parlait l'anglais uniquement. Il y avait évidemment des mariages mixtes, des familles donc mixtes qui étaient dues au fait que les Anglais épousaient des Normandes ou des Anglaises des Normands, mais les privilégiés parlaient bien sûr uniquement le normand et ne connaissaient pas un mot d'anglais. Mais pourquoi cette invasion normande a-t-elle eu un effet si grand sur la langue? C'est la question centrale dont on parle aujourd'hui, parce que du fait de cette occupation normande, de cette invasion, eh bien, le vocabulaire de l'anglais a été profondément influencé par celui du franco-normand, du français lui-même par la suite, et c'est donc quelque chose qui a modifié totalement le visage de l'anglais. Alors bon, d'une façon générale, on peut dire que les mots d'origine française, d'abord normande, puis plus particulièrement française, ce sont ceux qui sont plus recherchés, plus littéraires, ou qui se réfèrent à des réalités plus techniques, souvent, tandis que les mots d'origine anglo-saxonne, c'est-à-dire germanique, sont des mots plus familiers, plus courants, ou bien qui se réfèrent à des réalités plus pratiques. Le résultat de ce phénomène, c'est que l'anglais a un nombre considérable de doublés, ce qu'on appelle doublés, c'est-à-dire des paires de mots dont l'un est d'origine anglo-saxonne, c'est-à-dire germanique, et puis l'autre d'origine romane, à travers le normand puis le français. On peut en citer là, naturellement un nombre énorme, je citerai quelques-uns qui sont parmi les plus connus. Par exemple, comme mot germanique, on a blossom, et correspondant au mot roman, on a flower, mot normand, les deux veulent dire fleur, ou à peu près. On a encore to die et to perish, qui veut dire périr ou mourir, tous les deux. Ou bien on a encore, un dernier encore, on peut citer work, bien connu, qui correspond à labor, le nom d'un parti en Grande-Bretagne jusqu'à une époque récente, qui veut dire tous les deux, donc, comme labor indique, labeur, c'est-à-dire travail. Voilà donc un grand nombre de mots qui sont des paires de doublés. L'emprunt au français proprement dit, qui est la conséquence de ce phénomène capital d'occupation normande d'Angleterre, n'est pas un emprunt uniforme ni immédiat. Il s'est en fait étalé sur une très longue période de temps. Ce qui fait qu'au début, on avait un emprunt au dialecte normand, qui était un dialecte, donc, cette langue néo-latine en train de se faire, qui va devenir le français, mais pas le même que celui, pas tout à fait le même que celui d'Île-de-France, de Champagne, d'Orléanais, ceux du centre de la France. C'était par conséquent un dialecte particulier qui, en Angleterre, va prendre le nom, enfin on l'appellera, les linguistes l'appelleront, l'anglo-normand. Donc c'est à l'anglo-normand que, disons, à la fin du XIe siècle, début du XIIe, l'anglais fait un nombre énorme d'emprunts. Et puis après,
À mesure que la monarchie française se consolide, qu'un nombre considérable de gens, de marchands notamment, viennent alimenter cette population, cette démographie croissante de francophones en Angleterre conquise, les emprunts vont changer de visage. Beaucoup d'entre eux vont être des emprunts, non plus à cet anglo-normand des origines, mais aux Français d'Île-de-France, qui suit la monarchie de plus en plus affermie sur son siège politique. Ce qui fait que, d'une façon très intéressante pour nous, l'histoire de l'évolution de ces mots empruntés par l'anglais, c'est celle de l'expansion du français en France même. Alors donc, ce qui fait qu'on a encore des doublés, là, mais des doublés d'un autre type. Exemple, comme on connaît les particularités phonétiques de chacune de ces langues, si on voit un mot comme warrant, correspondant à guarantee, là où on a un W initial, c'est sûrement un mot d'origine normande, parce que le G du français, c'est correspond à un W normand. On dit quand après on a emprunté plutôt au français proprement dit d'Île-de-France qu'au normand, c'est le G qu'on a. Peu avant sa mort en 1087, Guillaume organise sa succession afin d'assurer la pérennité du pouvoir normand sur le trône d'Angleterre. Il lègue le duché de Normandie à son fils aîné, Robert Courteheuse, et le royaume d'Angleterre à son cadet, Guillaume II, le Roux. Henri Ier Beauclerc, son troisième fils, lui succède. Et pour la première fois, la dynastie normande voit l'un des siens devenir à la fois roi d'Angleterre et duc de Normandie. Mais ils auront du mal à asseoir leur pouvoir face à une noblesse anglo-saxonne dont les terres ont été concédées aux barons normands et frustrés parce qu'elle considère comme une usurpation illégitime du pouvoir. La domination normande sera d'autant plus rude que la population va fréquemment se soulever. L'arrivée de prélats du continent renouvelle également le clergé. À la fin du XIe siècle, la plupart des abbayes sont dirigées par des Normands. Il règne alors dans le pays un ordre féodal assez strict, assorti de contrôle et de recensement. Paradoxalement, cette influence normande sur la loi et l'organisation du royaume d'Angleterre va devenir l'un des facteurs les plus déterminants de l'émergence de l'identité nationale anglaise. Au cours des siècles, par le truchement des mariages et des alliances, les successeurs d'Henri Ier Beauclerc vont agrandir leur royaume. C'est le début d'une longue et puissante dynastie, celle des Plantagenets, qui bientôt régnera sur tout l'ouest de la France et sur l'Angleterre. Lorsqu'il monte sur le trône d'Angleterre en 1154, le petit-fils d'Henri Ier, à savoir Henri II Plantagenet, est non seulement duc de Normandie, mais aussi comte d'Anjou par son père et duc d'Aquitaine par son mariage avec Aliénor, héritière de cette province. Jusqu'à la fin du XIIIe siècle, le prestige du français l'avait fait rayonner à travers les cours et familles nobles d'une bonne partie de l'Europe. On peut dire depuis la Suède au nord jusqu'à l'Espagne au sud, en passant par l'Italie, l'Allemagne, puis la Sicile, dans laquelle l'émigration angevine s'était faite dans le sillage d'une conquête normande de cette île. Et les croisades, on peut dire aussi, avaient transporté la langue française loin à l'est, jusqu'à Constantinople, à Chypre, en Syrie, en Palestine. Mais vers la fin du XIIIe siècle, un mouvement nouveau s'amorce, un mouvement de déclin de la féodalité, très important, et surtout parallèlement, un mouvement d'ascension des bourgeoisies nationales qui, évidemment, s'imposant du point de vue politique et économique, veulent aussi imposer leur culture et surtout leur langue locale. C'est ce qui fait que le français va commencer à reculer partout où l'avait transporté, en même temps que l'Occitan pour le sud de la France, une certaine civilisation de l'amour courtois qui reflétait un ordre politique féodal, cet ordre apparaissant de plus en plus comme un ordre désuet. Et plus tard, environ un siècle plus tard, en 1362, en Angleterre, une manifestation très précise de ce mouvement nouveau, c'est que le chancelier au Parlement de Londres, pour la première fois, va faire son discours d'ouverture en anglais. L'histoire est faite de mouvements de balanciers. Aujourd'hui, c'est l'anglais qui vient investir le français en se répandant partout. Hier, comme on l'a vu, Guillaume le Conquérant introduit le français dans sa variante normande en Angleterre. Et pourquoi, au fond, est-ce que ce mouvement de balancier devrait s'arrêter ?